Quand on est maman, on se plaît à penser que notre enfant est le meilleur. Et sans s'en rendre compte, on rentre très vite dans le syndrome de la mère poule. Alors non, bien sûr, cette expression n'est pas à prendre au pied de la lettre. Une maman poule n'est pas forcément une maman avec une crête sur la tête. Ce serait trop voyant. Non, une maman poule, ce serait plus une maman qui voudrait garder son enfant bien blotti sous ses ailes. En gros, qui ne veut pas le laisser quitter le nid. Non mais non, mais papa, allez, hein. Papa, ciao. Arrêtons avec le premier degré. Pour une mère poule, peu importe l'âge de son enfant, ce sera toujours son petit. Et de n'importe quelle espèce d'ailleurs. Oh mon petit poussin. Oh mon bica préféré. Oh mon petit lapineux. Oh mon petit pieu d'amour. Oh ma petite caille chérie. Oh mon petit coincoin préféré. Oh là. Et pour elle, le temps passe trop vite. Oh, une photo de ses 1 an. Qu'il était mignon, choupi. Oh, 2 ans. Oh, qu'est-ce qu'il avait grandi. À l'anniversaire de ses 3 ans. Oh non, mon bébé. Le temps passe trop vite. Alors oui, la mère poule s'occupe bien de son petit. Elle passe tout son temps avec lui. Mais cette petite cuisse de poulet, je l'ai croquée. Ah, je l'ai croquée. Ah, je l'ai croquée. Elle veille à l'alimentation de sa progéniture. Allez, mange encore un tout petit peu, mon chéri. Tu n'as picoré que quelques miettes. Pour que ce soit un bel oiseau plus tard, il faut veiller au grain. Et qu'il est dur de lui laisser un peu d'autonomie. Ça y est, maman. Je suis un grand, je vais à l'école tout seul. Non, mais ça va pas. On va pas à l'école tout seul à ton âge. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Bon allez, je t'emmène en voiture. Quelle poule mouillée. Allez, roule ma poule. Et quand il est pas avec nous, on essaie d'avoir des infos sur ce qui se passe. Oui, bonjour madame les maîtresses. C'est Angélica, maman d'Hugo. Alors voilà, il est 9h30 là. Ça fait 1 heure que je voulais déposer. Et je me demandais comment il allait. Si ça se passait bien, s'il n'y avait pas eu de combat de coq, hein, vous savez comment sont les garçons. Hein. Et quel soulagement de le récupérer et de le voir voltiger en plein air. Et le soir, quand vient l'heure de s'endormir, la mère poule fredonne des chansons jusqu'à ce que son petit finisse par s'endormir. Une poule sur un mur qui picorait du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Au revoir mon chéri, bonne nuit, faites pour elle. On veut tous que nos petits poussins grandissent, deviennent des coquelets. En un seul mot bien sûr. Mais les lois de la nature sont ainsi faites, il faut tôt ou tard les laisser quitter le nid. Alors le mieux que puisse faire une maman poule au final est d'aider son enfant à voler de ses propres ailes. Au revoir ma petite maman. Ne t'inquiète pas, je reviendrai toutes les semaines, d'accord? Au revoir mon poussin. Au revoir. Je m'appelle, hein, dès que t'es arrivé, hein. Et demain matin, hein, hein mon poussin, hein. Ah mince, excusez-moi, je m'entraînais à caqueter, hein, parce que ça y est, je suis dans ma basse-cour, tout va mieux, mon petit poussin est en sécurité. Et je voulais vous dire que si vous voulez voir des scènes inédites de notre tournage en poule, en poussin, eh bien c'est sur Instagram, ngmaman.youtube, ou sur Facebook également, tout est en lien de cette vidéo. Et mettez des pouces bleus, plein de petits pouces bleus, ça nous aide. Allez!